Jules Murer, dit Rému, est un acteur français, né le 18 décembre 1883 à Toulon, et mort le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-Seine. Vedette de musical à ses débuts, il devient, grâce à Sacha Guitry, un des monstres sacrés du cinéma français des années 1930, et de la première moitié des années 1940, devenant notamment l'interprète fétiche de Marcel Pagnol. Rému reste dans les mémoires pour son interprétation de César dans la trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, et du boulanger trompé dans La femme du boulanger. Les débuts. Jules-Auguste César Murer naît en décembre 1883 à Toulon, fils de Joseph Murer, tapissier, et d'Elisabeth Gouzian à qui il voue une véritable passion. Peu porté sur les études, il se bagarre au lycée, ce qui lui vaut d'être exclu, et ses parents doivent l'inscrire dans une institution pour enfants difficiles. Il découvre très jeune le monde du spectacle, et est attiré par le métier de comédien. Mais son père, qui veut le voir reprendre son atelier de tapissier, s'y oppose et le fait embaucher, comme marmiton à l'hôtel du Louvre. La mort brutale de ce père, alors qu'il n'a que 15 ans, le ramène à sa vocation d'artiste. Il débute alors sous le nom de Ralom, le 15 juin 1900, à 16 ans et demi, dans les cafés-concerts et les guinguettes et matelots de sa région natale, la Provence, mais sans succès, car il chante vraiment très mal. Engagé par une modeste troupe locale, les Lorilors, il fait même une courte tournée en Afrique du Nord. Puis il fait des petits boulots, croupier au casino d'Aix-les-Bains et commerçant. En 1908, il entre au théâtre de l'Alhambra à Marseille comme souffleur, puis enchaîne au théâtre de l'Alcazar de Marseille et au Palais de Cristal. Ayant adopté le pseudonyme de Rému, Verlan approximatif de son nom Murer. Il se fait finalement appeler Rému, et devient une vedette régionale dans un répertoire de comiques troupiers popularisé par Pelin, dans lequel se sont essayés aussi Jean Gabin et Fernandel. Félix Mayol, immense vedette, chansonnier et directeur de musical d'origine toulonnaise, le repère et le fait venir à Paris pour jouer dans les revues qu'il monte dans son propre théâtre, le Concert Mayol. Jusqu'à la guerre de 1914, Rému se produit dans de nombreux cafés, concerts et musicals, tels La Cigale, Les Folies Bergères, et le Casino de Paris. En août 1914, il est mobilisé à Orange au sein du 15e ETM, escadron du train des équipages militaires, et part au front en septembre. Lors d'un de ses premiers contacts, il est enseveli sous une sape. Il en réchappe, mais perd du poids, tombe malade. Il est enfin réformé en mars 1915. Les premiers succès. André Spinelli, vedette de l'époque avec laquelle il entretient une liaison, le fait jouer à ses côtés dans, puis ça change au Théâtre Michel en 1915, puis c'est Sacha Guitry qui lui confie son premier rôle important dans, Faisons un rêve en 1916. On le remarque ensuite dans, L'école des cocottes, 1920, avec André Spinelli, Le roi de Flair et Caillavet, 1920, Le blanc et le noir, 1922, de Sacha Guitry. Léon Volterra, propriétaire du Casino de Paris, du Théâtre de Paris et du Théâtre Marigny, le fait jouer avec succès dans des revues, dans le sketch du Forçat, satire des scandales financiers de l'époque, et dans des comédies d'Yves Mirande, de Sacha Guitry, ou de Flair et Croisset. En 1928, lorsqu'il rencontre Pagnol, Rému est un acteur reconnu,
mais il n'a pas encore interprété de rôle significatif de premier plan. Le Végétarien. L'arrivée en 1928, en Europe, du cinéma parlant fait connaître Rému par son jeu, sa personnalité, et sa voix méridionale tonitruante si caractéristique. En 1929, il connaît un triomphe au Théâtre de Paris avec Marius de Marcel Pagnol, avec Corinne de Mazis. Ces deux Provençaux, l'un d'Aubagne, l'autre de Toulon, s'apportent mutuellement la gloire et la célébrité avec ce classique du théâtre. En 1931, il connaît un nouveau triomphe avec l'adaptation de la pièce au cinéma, Marius, film d'Alexander Korda, et premier film de la trilogie marseillaise de Pagnol, un des premiers films parlant à succès du cinéma français. Étant fâché avec le directeur du Théâtre de Paris, Léon Volterra, il ne participe pas à la création sur scène de Fanny, le rôle de César y étant tenu par Harry Bore, mais il reprend en 1932 ce rôle dans la version filmée de Fanny, tournée par Marc Allégret. Il figure également dans les adaptations filmées de pièces qu'il a jouées sur scène comme « La petite chocolatière », 1932, « L'école des cocottes », 1935, et « Le roi », 1936. Il se marie, le 28 mars 1936, dans la salle de mariage de la mairie du 8e arrondissement à Paris, avec Esthéonorine Métayer, actrice de cinéma, Narbonne, 21 décembre 1905-1977, et mère de sa fille de 10 ans. Paulette, 1925-1992. La même année, il joue une dernière fois le rôle de César dans César, réalisé par Marcel Pagnol. La trilogie marseillaise devient un classique du cinéma français. En 1937, il fait partie de la prestigieuse distribution des Perles de la Couronne de Sacha Guitry, puis tourne dans « Un carnet de bal » de Julien Duvivier. Il retrouve en 1938 Pagnol pour le rôle du boulanger Cocu dans « La femme du boulanger », puis celui du puisatier dans « La fille du puisatier », tourné au début de l'occupation. Durant cette période, il est très sollicité par la firme cinématographique allemande, Continental Film, pour laquelle il tourne « Les Inconnus dans la maison d'Henri de Coin », 1942, puis élu toutes les autres propositions en prétextant « être sous contrat de longue durée avec d'autres producteurs, dont Roger Richebey ». La consécration. Le 13 septembre 1943, il entre comme pensionnaire à la Comédie-Française sans en devenir sociétaire. En effet, son séjour au Théâtre-Français va tourner court. Après deux comédies de Molière dans lesquelles il tient le rôle-titre, Le bourgeois gentilhomme et Le malade imaginaire, on ne lui confie qu'un lever de rideau en un acte, L'anglais tel qu'on le parle, de Tristan Bernard. Aucun autre projet, ni Les affaires sont les affaires, ni Le voyage de Monsieur Perrichon, ne se concrétisera. Pagnol, sarcastique, lui écrit, J'espère que, dans l'ombre des comédiens du français, tu te trouves au frais et que ta retraite te paraît agréable. Il compte parmi ses amis Paul Chambrillon, fin connaisseur de Céline et ami d'Arletty. Il retrouve le cinéma en 1946 avec Les Gueux au paradis de René Lénaff, et L'homme au chapeau rond de Pierre Billon, son dernier film. Le décès. Le 11 mars 1946, Rému roule en voiture sur la Nationale 6, qui était à l'époque l'axe Paris-Méditerranée, pour aller à Monte-Carlo, en compagnie du dramaturge et réalisateur Yves Mirande. À Tournu, un accident survient et Rému subit de multiples fractures. Retour en ambulance à Paris, où il est opéré à la clinique Lyautey. Il en sort le dimanche 6 mai 1946, au bout de 54 très longues journées. Trois mois plus tard, il va à l'hôpital américain de Paris pour une nouvelle opération chirurgicale, en apparence bénigne, dans le but de soigner les complications de la fracture du tibia provoquée par l'accident. Il meurt au bloc opératoire, le 20 septembre 1946 d'une crise cardiaque, probablement une syncope blanche, provoquée par une allergie à un produit anesthésiant. Il habitait alors au 17, rue Washington à Paris. Marcel Pagnol relate l'annonce de son décès. À midi et demi, on va m'appeler à table. Je pensais qu'il n'était pas encore réveillé, mais que la serviable infirmière allait me donner de ses nouvelles. C'était une voix inconnue,
Une voix de femme, le cas de Monsieur Rému, était beaucoup plus grave qu'on ne vous l'a dit. L'opération a duré 2 heures, il ne s'est pas réveillé, vous voulez dire pas encore? Il y eut un silence tragique. Puis la voix murmura, non. Il ne se réveillera plus. Il avait prévu de quitter la Comédie-Française, mais ne s'était pas résolu à envoyer sa lettre de démission, écrite en avril 1946, alors qu'il était cloué sur son lit à la clinique Lyautey. Des funérailles grandioses, auxquelles ont assisté des milliers de personnes, sont organisées en l'église Saint-Philippe du Roule, puis il est inhumé au cimetière de Toulon, Var. Le poète Maurice Roustan lui rend hommage, en composant ses vers. Quand s'éteint cette voix, fameuse, et familière, Pagnol, pleure ici-bas. Là-haut, pleure Molière. Marcel Pagnol prononce son éloge funèbre, on ne peut faire un discours sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils, et tu étais les trois à la fois. Orson Welles estima qu'il était le plus grand acteur au monde. Pagnol raconta avoir vu arriver Orson Welles dans son bureau, lui demandant « Je veux voir Monsieur Rému. » Marcel Pagnol lui répondit que Rému venait de mourir 2 mois auparavant, et vit alors Orson Welles fondre en larmes. « C'était le meilleur de nous tous, » dit-il. Musée Rému. Sa petite fille, Isabelle Nain Rému, fille de Paulette Rému et d'un des fils de Jean Nain, a d'abord fondé le musée Espace Rému à Cogolin, à 10 km de Saint-Tropez, puis, lorsque celui-ci a fermé, le musée Rému à Marignane, 27 cours Mirabeau, en 2014. Œuvre de l'architecte Nicolas Masson, agence Land, et du muséographe Jean-Louis Milona. Maison de Rému à Bandol. En 1933, Rému achète à Bandol, Var, une villa qu'il rebaptise Kermocotte en l'honneur de celle qui deviendra son épouse, Esther. De nos jours, la villa, 603 rue Rému, après avoir été un hôtel-restaurant, est une propriété privée, et conserve le nom de Kermocotte. Prix Rému en hommage à son grand-père, Isabelle Nain Rému a créé, en 2006, les prix Rému de la Comédie récompensant des personnalités du théâtre et du cinéma pour des pièces, ou des films comiques sortis dans l'année. Il y eut 3 cérémonies en 2006, 2007 et 2008. Le trophée Rému est une œuvre de Cyril de la Patellière, dont l'original est au musée Rému de Marignane. Philatélie. Un timbre-poste, dessiné par Albert de Carry et gravé par Claude Durand, d'une valeur faciale de 0,50 francs, représentant Rému dans le rôle de César, a été émis le 12 juin 1961, portant oblitération premier jour du 10 juin 1961 à Toulon. Prenant place aux côtés de la chante Meslé, Rachel, Talma et Gérard Philippe, dans une série sur les grands acteurs français. Culture. Un holorime attribué à Jacques Prévert mentionne son nom. Sous, le regard ému descend, passant d'Angers, sous le regard ému, descend passant d'Angers. Reconnaissance. Création du César d'honneur du cinéma.